انا شفتك انتي سيمانه قلبي تك تك بحال شي مكانه ويلي ويلي هادي هبلتني يا ماما ويلي ويلي هراني صبابا تك 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 اه تك 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 بحال شي مكانه تك 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 اه تك 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 بحال شي مكانه Hi guys, j'espère que vous allez bien, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le deviner, je suis actuellement à Marrakech. Que c'est celle que je suis sur mes réseaux. On peut voir, je suis au Maroc. Tout le monde est ici actuellement. Maroc, tout le monde est ici. Il faut savoir que je suis là, ça fait presque une semaine maintenant. Parce que j'étais à Casa, mais Casa, je n'ai pas jugé bon de filmer. Donc je me suis dit, comme je venais dans un endroit chaud, c'est mieux que je commence le vlog là-bas. Sinon, à Casablanca, c'était bien. Quand on est arrivé, on a découvert certains endroits et tout. C'était ma deuxième fois à Casablanca. Je me suis dit, bon, tu es venu en vacances. Bien vrai que tu vas faire le vlog et tout, mais essaie de te concentrer sur une chose en fait. Donc je me suis dit, lorsque je vais venir à Marrakech, je vais commencer le vlog en même temps comme ça. Vu qu'il fait chaud et on est là pour presque une semaine, on va bouger. De toute façon, vous verrez dans le vlog. Donc voilà, aujourd'hui, c'est le premier jour. Là, on s'apprête à aller, il est midi, mais on s'apprête à aller bruncher. Je ne sais pas s'il y aura des trucs, mais on s'apprête à aller bruncher. J'ai mis dans le thème parce que vous allez voir et vous allez comprendre en fait. Donc, j'ai porté un ensemble comme ça de chez Bershka. Je vais essayer de vous montrer en entier comment ça donne. C'est un deux pièces simple avec le petit sac blanc, les lunettes, mes claquettes. Franchement, je suis bien parce qu'il fait super chaud ici, il fait 48 degrés. Donc, on va doser. Moi, je vous laisse avec la vidéo, hein. Je ne vais pas trop vous embêter parce qu'on va aller découvrir Marrakech. Je n'étais jamais venue ici et j'ai hâte, j'ai hâte. Les gars, regardez-moi cette vue. Waouh. Oh là là. Trop, trop beau. Ok, j'espère que vous allez bien. Alors là, on est le soir, il est 21h. Dans la journée, je vous ai montré un peu ce que j'ai. Pourquoi c'est comme ça? Voilà, je vais me mettre comme ça pour éviter le bordel d'à côté. On est rentré à l'hôtel, on n'a rien fait. On est parti à la piscine, mais moi, je ne vais pas nager parce que actuellement, problème de femme, tu connais. Et 21h, bientôt 22h. Le moment là où on va, c'est sans réservation. Donc, je me dis que ça peut aller en fait. Je vous mets ma tenue comme ça. La robe vient de Shein. Le sac aussi pareil. Les chaussures pareil. Les bijoux pareil. Simple, efficace. On va sur un rooftop. Lola restaurant, je crois. Premier soir. J'aime trop. C'est trop cute. Voilà. J'aime trop. Yeah.
Your body need a license fit. Your body are too tight to need. Anybody who got eyes can see. She just wanna dance and tease. She just wanna dance and tease me. 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 Listen, you've been missing since 2006. Squid to me one face, you know that's my sis. When she speak, I listen. She swears you're my miss. It was about 5 minutes ago when I seen the hottest chick that a youngin' never seen before. I say, yo, tell the girl I wanna meet her. On second thought, that ain't the way to go. I gotta give her game proper. Spit it so she get it, there she is, I gotta stop her. Or should I talk about a smile? Or what about a smile? I'm out of time, she's out the door, I gotta go for mine. Or should I talk about a smile? What about a style? I'm out of time. She's out the door. I gotta go for mine. Got to go see her. Excuse me, this moment. And I gotta admit that you got my attention. You're making me want to see her. I know you're trying to leave. You don't miss. I see you when I dance with you. How I love you, keep you here with me. Les gars, attendez, vous êtes trop proche. Attendez, quand je vais bien finir, je vais bien vous montrer ma tenue. Alors, c'est mon ensemble comme ça que vous allez voir normalement dans mon hall. Donc, vous allez savoir où l'ensemble vient. J'ai hésité entre ça et ça en fait. Mais hier, j'avais déjà porté un truc rose. Donc, je voulais plus de rose. Peut-être le demain ou ce soir, je sais pas. Je vais prendre des photos. C'est pour ça que je me suis habillée comme ça. J'ai pris une combinaison. Arrivé là-bas, je me change. Je fais le quad et voilà. Ma tenue en entier, j'ai mis des claquettes, mes claquettes blanches. Voilà, vous aurez la référence en barre d'infos. Je m'en joli ensemble, trop magnifique. Juste mes bijoux Shein. Et j'aime pas comment j'ai attaché mes cheveux, mais c'est pas grave. Donc à tout à l'heure parce qu'on est super en retard. Les gars, on est sorti, il fait extrêmement chaud. Aujourd'hui il fait 36 degrés, ça va. Mais il fait trop chaud, ça brûle ma peau comme ça. Oh mon bédon là, c'est à 1h09. Si tu es fatigué, faut jouer. On est là. À quel point il fait chaud ici, regardez. Ah, je sais pas si vous voyez. Attention. On a fait que ça la voiture. Ça de monter. Lui n'a qu'à passer là-bas. Toi tu as resté ici. On peut pas, hein. Les gars, c'est chaud, la voiture est basse. De toute façon, ça s'entend de gratter la voiture des gens. Là. Là, on est obligé de rouler. On est obligé de rouler comme ça pour avancer en fait. Là où on est passé, là, c'était. C'était quoi? La boucle infernale. Non, mais en vrai de vrai, la voie est super petite. Qui nous envoie ici même? Non mais la voiture est basse en fait, donc ça fait que ça a gratté quelque chose et on est obligé d'avancer. Regardez comment on avance. On avance super doucement et ça ne veut plus avancer. C'est à 14. S'il ne veut pas faire route là, vous pouvez m'en faire. C'est quoi ça là? Oh là 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 là. Par contre la vue est magnifique. Regardez les quads là.
n'est jamais avec une voiture passe ici. Sinon, hein, allez Lille. Regarde, par la grâce de Dieu, on est arrivé. Regardez. On est dans le désert. Et l'endroit est juste là. C'est pour ça qu'on a souffert là. Pour venir jusqu'ici. Imaginons, on nous dit que c'est rempli, que c'est sous réservation et tout. Parce qu'on n'a pas réservé. Hein. Donc imaginez juste un peu. Donc voilà. On va voir ensemble si c'est magnifique comme certains le disent. On va voir. Si on va à Dinan, on se change ici, non? En allant, on fait là-bas. C'est ce que j'ai dit, en fait. Tu comprends, non? L'endroit est beau. Hein? Franchement, la vue est magnifique. Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais l'endroit est super beau. Les gars, on a pris quelque chose à manger, c'est un snack, hein. Tacos, burger, donc c'est tout ce qu'on peut commander qui est là. Et on va manger ça parce qu'on n'a rien mangé depuis le matin. Et voilà quoi. Par contre, les frites là sont super bonnes. Et là, j'ai pris un cocktail de burrito. Alcoolisé. J'espère qu'il fait joli, vous ne voyez rien, je sais. J'espère que je vais avoir au moins une belle photo dedans parce que depuis que je suis arrivée, j'ai pas encore pris de photos. Je suis plus vidéo ici que photo en fait. Je sais pas, je me sens pas à trop faire les photos, je sais pas. Mais c'est moi, je me trouve moche en fait dans les photos. Ou bien ça reste pas bien éclairé, tout ça. Bref, je suis plus vidéo que photo en fait. Les tarifs sont super abordables, hein, les gars. On peut faire 50 euros par personne, 35 000, 40 000 par personne. Accès à la piscine, accès au transat où on est assis là. Et puis la nourriture. Il y a trois piscines, c'est vous qui choisissez. Il y a cette piscine, il y a une autre, il y a deux autres piscines là-bas. Les autres transats sont gratuits, c'est ceux-là qui sont payants. Donc avec moins de 50 euros, même moins de 30 000. Disons 500 dirhams, 400 dirhams, faut bien profiter. Si vous avez une voiture, vous venez ici, bien sûr, parce que nous on est venu en voiture. Maintenant, si vous venez en taxi et qu'on sort, peut-être que ça sera différent. Mais si vous venez en voiture, 30 000 par personne, 35 000 par personne. Donc là, les gars, on a fini. Ne prenez pas en compte mon chapeau parce que je sais que c'est bizarre. Mais bref, on a fini. On va faire du quad. L'endroit est super, super magnifique. Waouh! Quelque chose du soleil ici doit tuer. Les gars, je sais pas si vous me voyez, mais finalement, on va faire le buggy parce que le quad, on l'a déjà fait au Sénégal. Donc, vu qu'on n'a jamais fait le buggy, on s'est dit, mieux vaut le faire ici en même temps. Thank you.
Les gars, nous sommes venus manger dehors. J'ai pris du poulet grillé là. La dernière fois, j'ai mangé, c'était super bon. Donc, je suis revenue ici pour pouvoir manger ça. J'ai envie de me placali sauce coppe ou bien attiqué poisson de femme. Je suis fatiguée de la nourriture d'ici. Voici le poulet que je mange. Trop bon. Bon appétit. Coucou guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors, aujourd'hui on est le troisième jour. Vous voyez que le cadre a changé, on a changé de chambre parce que les autres sont partis. On n'a plus la belle vue d'en haut là-bas parce qu'ils nous ont mis au premier, on était au troisième. Mais pas grave, je m'apprête à aller à la piscine, hein. Je vais aller me doucher. Non, pas me doucher, parce que je vais à la piscine. Donc je vais aller prendre un petit truc, un petit bain là. Je porte mon maillot et je descends directement à la piscine parce que je n'ai pas encore profité de la piscine ici. Il est midi, bientôt 13h. Donc on va aller profiter un peu, 1 à 2h comme ça. Et puis après, paf, c'est parti. Donc à tout à l'heure les gars. It was about 5 minutes ago when I seen a hottest chick that a youngin never seen before. I say hello, tell the girls I wanna meet her. On second thought, that ain't the way to go. I gotta give her game proper, spit it so she get it. There she is, I gotta stop her. Or should I talk about a smile? Or what about a style? I'm out of time. She's out the door, I gotta go for mine. Or should I talk about a smile? What about a style? I'm out of time. She's out the door. I gotta go for mine. Got to go say yo. Excuse me, Miss Moon. And I gotta admit that you got my attention. You're making me want to say yo. Are you trying to leave? Les gars, j'espère que vous allez bien. Il fait nuit et je m'apprête à sortir. C'est pour ça que je suis maquillée. Donc voilà, j'ai porté cet ensemble que vous allez voir dans mon haul qui vient avant cette vidéo normalement. Voici mon maquillage du jour. De toute façon, ici je me maquille moins par rapport à Abidjan. C'est à cause des cils là parce que je ne veux pas abîmer. Il est 23h30. On va manger vite fait. Les gars, les gens ici ils dorment pas, c'est une dinguerie. Abidjan même on dit on dort pas là, ici même c'est pire. Yeah. Est-ce que vous les voyez même? Ils envoient des nattes, ça sèche jusqu'à 3h, 4h du matin, puis ils rentrent. Abidjan c'est le pays, mais eux-mêmes ils aiment dehors, même genre ils s'assaignent, même il y a d'autres même qui dorment en fait. C'est parce qu'on a dépassé, l'endroit où était full là, mais genre, dans les coins comme ça ils aiment déposer les nattes face. Incroyable. Bon là on est déjà arrivé au resto. Oh,
my phone, I got options. And I don't wanna tell you to drop it. But I... Coucou guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Là on est le lendemain. Aujourd'hui on va au jardin Majorel, donc c'est pour ça que je me suis habillée comme ça. J'ai porté une chemise comme ça Zara, le débardeur Zara, la culotte Zara avec mes sambas. Donc total look blanc. Je vais faire ça que je vais aller m'acheter un foulard. Vous voyez, pour faire un mood comme ça, pour dégager un peu mon visage. La petite maison dans la prairie, vous voyez, genre les moods comme ça, un peu champêtre façon. Voilà, donc je vais m'acheter le foulard, je vais mettre dans la voiture. Et voilà. Les gars, il fait trop chaud. Il fait 38 degrés. Il fait chaud dès purée. Les gars, j'ai vu celui-là, je sais pas. C'est le seul joli qu'il y a. Je pense que ça peut faire un truc, non? Ça passe. Vu que je suis en tout blanc, c'est par rapport à ma chemise en fait que je fais. Donc je vais prendre celui-là pour pas tarder parce que regardez ce qu'ils ont. Ça va pas trop avec ma tenue en fait. Donc je vais prendre plus celui-là. Ils ont ça que j'ai pris. Ils ont le rose comme ça, non ça va pas. Ils ont ça aussi. Je sais pas. Je vais prendre celui-là. Vu qu'il y a du blanc dedans, il y a du vert et tout. Je pense que c'est pas moche en vrai. Donc je vais prendre ça. Ils ont plein d'accessoires ici. Waouh! Et moi, c'est le bijou. Waouh, c'est trop beau. Ça aussi, ça encore. 19 euros. Ah, waouh, trop trop beau. Maintenant, on a argenté comme ça aussi. Là, les accessoires. Ah, mais c'est trop bien, H&M. Je savais pas qu'il y avait des pépites comme ça ici. Bon, voilà, c'est tout ce qu'ils ont comme foulard, donc je vais prendre ça. C'est pas grave. Regardez-moi tout ça. Oh là là, je suis pas venue pour ça normalement, mais je vais revenir. Plein de pépites comme ça. J'aime trop. Regardez-moi les bijoux comme ça. Bon, je vais à la caisse. C'est pas grave, je suis pas venue pour ça, donc. C'est pas grave, la prochaine fois. Les gars, j'ai pas craqué, hein. J'ai pris mon paquet. C'est pour ça que je suis venue de toute façon. Ils ont trop, trop, trop de belles pépites en fait. J'ai pas craqué, ils ont trop de choses. Mais je sors, sinon ça va mal finir en fait. C'est bon bout. Il y a comme ça. Ouais. Girl, I get the money, what if you make you mine, oh? If you're loving every night, if you make you mine, oh? Not only you give me love, but make me nice, oh, nice, oh, nice, oh. I feel make you mine, oh. Girl, I love you, plus I never make you mine, oh. If I let you smoke, it's you gon' lose my light, oh. If you're paranoid, then I'ma spend the night, oh. Thinking I love you every day. Diamond dancing. Ça là, ils vont laisser ça sur ma tête tout de suite, c'est ça.
Ici, là, il s'est fermé. Déception, mais pas grave. On avait pris normalement jardin. On n'a pas regardé. J'avais l'option jardin plus musée. On n'a pas prêté attention. Donc, c'est fermé. Le musée Yves Saint Laurent. Et c'est pas grave. Souvenir. Les gars, je suis venue manger de mon endroit là, de mon endroit favori. Je vais bien manger le poulet. Du bon poulet braisé là. Quand vous venez manger ici là, ils mettent beaucoup de choses comme ça sur votre table réfugiée. Là, ils viennent déposer les choses, là, c'est payant, payant. Ils viennent déposer des pâtes, des olives, des fusées. Okay. C'est super bon. Direction le club, quoi. Voilà, je me suis habillée comme ça. Je vais vous montrer ma tenue. Je vais vous montrer ma tenue du jour. Est-ce que le téléphone a... Ah, le truc à cache. C'est une robe comme ça, vous avez pu le voir dans mon précédent haul, pour ceux qui n'ont pas vu, allez le regarder, avec les bijoux comme ça, les boucles d'oreilles, petites sandales comme ça, et voilà, je suis prête pour la soirée. Il n'y avait même pas d'idée aujourd'hui là, je voulais porter un truc sexy, mais c'est pas que la journée est sexy en fait, donc j'ai porté cette longue robe, et voilà, c'est cute. Seen her. It was about 5 minutes ago when I seen the hottest chick that a youngin' never seen before. I say, hell, cause the girl I wanna meet her. On second thought, that ain't the way to go. I gotta give her game proper. Spit it so she get it. There she is, I gotta stop her. Or should I talk about a smile? Or what about a smile? I'm out of time. She's out the door, I gotta go for mine. Or should I talk about a smile? What about a style? I'm out of time. She's out the door. I gotta go for mine. Got to go see her. Les gars, aujourd'hui est quand et puis il y a le monde comme ça. Il y a quoi là-bas là? Et puis tout le monde va là-bas en fait. Parce que là, ils nous ont interdit de rentrer parce qu'il n'y a plus de place pour garer. Mais est-ce que vous voyez le monde qu'il y a, qui rentre et il y a des gens qui sortent en fait. Donc on va voir ce que ça donne. De toute façon, cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Il n'y a vraiment pas d'endroit pour garer la voiture hein, parce que c'est rempli en fait. Ah, c'est théâtre. Théâtre, tu te rappelles? On me parlait de ça. Ok. Ce soir, elle est live. Entrée gratuite. Gratuit? Oui, garçon. 300. Ok. Bonsoir. Donc, je vais voir pourquoi. But gang gang got the hammer and the wrench. Let's go!
bien la musique. Là, on s'apprête à aller manger, aller dîner. Tout à l'heure, je filmais pas en 4K. Désolée du bordel derrière, mais c'est pour juste vous montrer ma tenue. Tout est Zara, sauf les bijoux, vous connaissez. Sinon, tout est Zara. Ça, je l'ai acheté ici. Ça aussi, pareil. Ça aussi, je l'ai acheté ici. Franchement, j'aime trop comment je suis habillée. Trop cute. Je shine. Je suis trop, trop belle. Waouh. On peut être belle comme ça. Chouchou. Chouchou. Non, à tout à l'heure, les gars. Là qu'on est arrivé et franchement c'est trop trop beau, je suis excitée comme une puce là. Waouh, trop beau, trop 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 beau. Les gars, je vais profiter pour me lever des ongles parce que je vais enlever ce que j'avais. Les gars, je me suis apprêtée en 2-2. Quand je vous dis en 2-2, c'est vraiment en 2-2 en fait. Donc là, on s'apprête à sortir. Il est 16h. La soirée finit à 19h. A few moments later. Les gars, on partait là, c'est beau. On a oublié de changer d'endroit. Il y avait un autre endroit qui n'est pas mal aussi. Tout à l'heure, je parlais, mon téléphone était sale, mon écran. On va regarder en train de couler en fait. Il fait chaud ici, là. Il fait 45 degrés. Mon téléphone a fait tant d'écran en hauteur en fait parce que il fait trop chaud. Thank you.
Les gars, on vient d'arriver. Qu'est-ce que je voulais dire? Attends, je suis trop contente parce que je suis, comme vous avez pu le voir, je suis dans l'hôtel de mon idole en fait. CR7, Cristiano Ronaldo en fait. Je suis trop contente. En tout cas, c'est trop beau. Je vais pas vous faire un room tour parce que en arrivant, on s'est préparé, paf, on est sorti parce qu'il y avait des gens qui nous attendaient. Donc, on pouvait pas faire autrement. Je suis toujours maquillée parce que je sors ce soir. Je vais faire la bringue. On va retourner au théâtre. S'amuser quoi, voilà, parce que c'est notre avant-dernier jour ici. Et franchement, le Maroc, Marrakech, pas le Maroc même, parce que Casa, c'est pas trop mon fort, mais Marrakech, les gars. Le seul bémol, c'est qu'il fait chaud, je l'ai dit tout au long de la vidéo. Je pense que ça dépend de la période à laquelle on est venu. Si on était venu peut-être en janvier ou en décembre ou en septembre même, genre après l'été, peut-être que ça peut aller. Mais actuellement, il fait les 48 degrés, 43 degrés, 34. T'es maquillée, vous-même, vous voyez mon maquillage. On ne dirait même pas quelqu'un qui s'est maquillé en fait. Bref, je me suis positionnée là, c'est pour vous expliquer un peu les petits tips. Vu que je suis à la fin de mon voyage, c'est pour vous expliquer un peu comment c'est ici. D'abord, le pays en question, c'est hyper safe, franchement. C'est trop cool. Bon, je vais parler de Marrakech parce que c'est ça qui nous intéresse en fait dans le vlog. Donc, à Marrakech, les gens sont super cool. Franchement, tout le monde nous dit bienvenue. C'est une ville en fait où je me vois vivre. Ça m'énerve même qu'il y ait gaspillé mon temps à Casa aussi. Et où on est venu là, mais ça me plaît trop en fait. Ici sera un peu potable. Je vais vous montrer un peu comment ça, genre, comment la chambre est, tout ça. Dans le cas contraire, je vais prendre une vidéo sur les réseaux là-bas pour venir vous coller ça ici. Conseil, quand vous venez, c'est mieux de louer une voiture. Nous, on a pris une Clio. Et franchement, la Clio, la best Clio, on est quitté à Casa jusqu'on est venu ici. C'est ça en est jusqu'à actuellement, jusqu'on va retourner en fait. La voiture nous a pas laissé. Franchement, on s'est dit qu'on allait prendre une grosse voiture. Mais comme on est là, on sait qu'on va dépenser, on sait qu'on va sortir. Parce qu'on n'est pas des gens de l'intérieur en fait. On va sortir, on va visiter. Donc c'est mieux, on va prendre une petite voiture, pas trop chère, qui rentre dans notre budget. Et puis on fait notre petit truc au calme quoi. Après la voiture, la conduite ici. Les gars, je vous dis c'est hyper safe, mais la conduite ici. Les gens roulent, on dirait route là, c'est pour leur papa en fait. Est-ce que vous comprenez? Même ici, il y a énormément de motos. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on roule, il y a une moto qui peut passer comme ça. Et puis, ça va créer quelque chose. Donc, par rapport à la conduite ici, la fête est normale. De toute façon, quand vous allez venir ici, là, vous allez voir de vous-même. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la période, mais parce que c'est tout le temps. L'essence interdite, il y a énormément de sens interdit ici. Énormément de sens interdit. Moi, c'est parce que les voies là sont... Il y a beaucoup de carrefours en fait. Lorsque vous venez aussi, ne prenez pas un hôtel trop au centre-ville. Prenez un hôtel qui est un peu reculé, genre à 10 minutes ou à 15 minutes du centre-ville. Comme ça, vous êtes safe parce qu'on a dit centre-ville. Donc, c'est là que tout se regroupe en fait. Et c'est là il y a certains malls et tout. Donc, il y a beaucoup de personnes. C'est un restaurant qui ne vend pas d'alcool, ce qui est compréhensible vu que c'est un pays musulman. Il y a aussi des restaurants qui vendent de l'alcool. Il y a aussi des restaurants aussi qui font alcool et chicha. Mais la majorité des chichas ne font pas d'alcool en fait. Ne vendent pas d'alcool. On a fait des achats sur Casa. Normalement, il y a le souk ici. Mais franchement, avec cette chaleur-là, ça ne donne même pas envie de sortir aller au marché en fait. Donc, je ne sais pas. Il y a des activités aussi à faire ici. Mais on a préféré faire resto. Certaines activités à Casa que j'ai pas pu filmer, genre dans le vlog. Mais pour ceux qui me suivent, ont vu. La nuit ici, là, c'est doux, hein, parce qu'il ne fait pas chaud. Et il faudrait que je dise aussi, il y a du liquide qui est tombé sur mon ordinateur, du coca. Donc, mon ordinateur ne s'allume plus. Pourtant, il y a mon hall à l'intérieur, mon hall qui doit sortir avant cette vidéo, normalement. Franchement, je suis trop triste. C'est tout possible pour retrouver mon hall là, pour pouvoir vous montrer. Mais ça va faire trop bizarre parce que les vacances passent. Oh, c'est un hall vacances, en fait. C'est le seul truc de négatif qui m'est arrivé ici. Sinon, à part ça, franchement, best voyage à refaire. Si je prends mon billet, que je dois venir au Maroc, là, direct Marrakech, à refaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter des derniers jours qui me restent ici. Demain, je ne vais pas vlogger. Donc, je pense que je vais essayer de vous montrer l'hôtel un peu, comment ça rend. Regarde, je vous présente la chambre de l'hôtel. Lorsqu'on rentre, il y a directement un placard comme ça. Qui nous accueille. Ensuite,
Là, il y a le coin cuisine, il y a le frigo là, il y a la poubelle, je crois. Et puis voilà, simple. Après, on rentre directement dans la chambre. Je vais vous montrer, c'est le bordel, donc désolé. Là, c'est les toilettes. Et là, c'est la douche. Ce qui est bizarre dans cette douche, c'est que c'est pas bizarre, mais c'est différent en fait. Vous voyez, là, il y a le robinet. Et là, il y a le... Comment je vais... C'est comment on appelle le poignet. Donc, c'est trop bizarre. Donc, quand on se lave là-bas, on tire notre bras là comme ça. Là, il y a le lavabo. C'est une chambre assez grande. En fait, ce qui me plaît dans cette chambre, c'est le design. Regardez-moi ce design, en fait. Là, il y a le lit, désolé du bordel. Et qu'on part. Là, il y a la télé, table à manger, des chaises. Voilà. Et là, il y a la vue. Les gars, ça va trop me manquer, en fait. Tcha! Regardez, là, il y a une voiture de collection, façon. En fait, c'est la gare de moto. J'aime tout parce que c'est l'hôtel de mon idole. Hein, donc là, je suis obligée d'aimer. Bye Marrakech. C'était nous. À nous revoir. Et on se dit à bientôt. Hein. Voilà, c'était tout pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à activer la cloche de notification. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente d'être ici. Tchou tchou. Tchou tchou.